Tout aussi magique, la trappe rêve, cet objet mystérieux, issu de la culture amérindienne de plus en plus présent sur les décorations murales. La trappe rêve, ça sert quand t'as des cauchemars, quand t'as peur, ils attrapent les cauchemars. C'est bien. Lorenzo, 8 ans, a choisi de faire le sien, lui-même, ça fait partie de la légende. C'est le principe de la trappe rêve qui normalement doit être fait soi-même pour être efficace. Et là, pour le coup, ça rentre complètement dans le domaine du loisir créatif. Traditionnellement composé d'un cerceau et d'un tissage central, il faut ensuite le compléter. On va y attacher des perles et des plumes. Au final, chaque attrape-rêve est unique. Je vais attacher à côté de mon lit. Les enfants sont les créateurs de leurs rêves.